pas si éloigné qu'on pourrait bien le penser. On a pris énormément de plaisir à parler de Souviens-toi des jours heureux, de Kessé-Brou. On a parlé de famille, on a parlé d'amour, d'un peu de souffrance aussi. On espère que vous avez pris autant de plaisir que nous. N'oubliez pas, en attendant, qu'on se revoit la semaine prochaine, lire des livres. Place au slam. Bomo Kadi est venu, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Ampleling. Merci. C'est une joie de recevoir un écrivain. C'est encore plus une grande joie de recevoir une dramaturge. Merci. Moi, c'est une joie aussi d'être ici. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on parle de dramaturge ici en Côte d'Ivoire, surtout les femmes. À dessein. je veux dire, à Ampleling, on peut se féliciter d'avoir reçu. Vous êtes la deuxième dramaturge, la première qui était Fatoussi, je le disais à l'entame. Dans le silence de mes diplômes, c'est la pièce que vous venez nous présenter. Mais avant de parler de cette pièce de théâtre, j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous rencontrez le théâtre. Mais j'ai rencontré déjà le théâtre dans la cellule familiale parce que mon père, il était metteur en scène, il était danseur, il était, je ne peux pas tout citer ici. Et donc chaque année pendant les vacances, il montait des petites scènes, des scénettes comme on l'appelait. Et il faisait le tour des villages aux alentours de Oumé, ou là où je suis née. Et je l'accompagnais. Donc je voyais les répétitions, je voyais tout en fait de théâtre. Je suis née. Je m'apprêtais à le dire, vous êtes née dans le théâtre, ouais. Vous êtes une fille du théâtre. C'est ça. Mais avec le temps, on se rend bien compte aujourd'hui, et j'en parlais déjà avec Fatoussi, que le théâtre est de moins en moins pratiqué, de moins en moins lu. Est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir écrit un livre qui n'aura pas d'oreille, qui n'aura pas d'yeux pour le lire, qui ne sera pas audible? Je n'ai pas peur dans la mesure où bon, le livre il est sorti depuis, je crois, 2009. Et tout le temps, je vois des jeunes étudiants, que ce soit des étudiants d'ici ou d'ailleurs, qui appellent, qui demandent la permission de pouvoir mettre cette même pièce en scène. Ça fait déjà, je crois, 4 ou 5 metteurs en scène qui l'ont mise en scène. Je n'ai pas vraiment peur parce que je me dis chaque chose a son temps. C'est vrai que si on avait arrêté complètement d'écrire et on avait arrêté complètement de remplir les salles ou de jouer dans des salles, s'il n'y avait plus de comédiens et autres, j'allais commencer à avoir peur, mais il y en a toujours. On en forme toujours. Il y a des comédiens, il y a des metteurs en scène, il y a des dramaturges, il y a de la scène, mais est-ce qu'il y a un public? Il y a un public. Il n'est peut-être pas aussi fourni que le public d'antan, mais il y a un public. Et selon vous, pour le cas de la Côte d'Ivoire, on sait que le théâtre vit une crise presque mondiale, ce n'est pas que la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui fait qu'en Côte d'Ivoire, le lectorat est de moins en moins attiré par le théâtre? Et d'abord la promotion, le manque de promotion, je voulais dire. Parce que en toute chose, avec toutes les nouvelles technologies, les nouvelles façons de s'informer, les nouvelles façons de découvrir aujourd'hui, la promotion du livre en général devrait continuer. Et la promotion du théâtre aussi en particulier. Mais cette promotion-là est, je crois, un tout petit peu délaissée. À l'époque, moi, quand j'étais encore jeune, il y a beaucoup d'années déjà. on dirait pas, hein? on le voit pas du tout. Quand j'étais encore à l'école primaire ou au collège et tout ça, j'étais tout le temps devant la télé pour voir soit au théâtre ce soir. Ça, c'était le théâtre international, c'était plutôt le théâtre français qui passait. Et chez nous, comme on disait ça même déjà, ça s'appelait au théâtre chez nous, quelque chose comme ça, j'ai oublié un peu, mais sur RTI1, il y avait une émission où on passait les pièces de théâtre et c'était une fois par semaine et on ne ratait pas du tout. Mais ça n'existe plus, à moins qu'il y ait une émission que je ne connaisse pas. Mais bon, je pense qu'il y a de moins en moins de promotion autour du théâtre et forcément, quand on dit un muscle qui ne travaille pas, finit par s'atrophier. Ça s'atrophie. Mais il y a entre les lignes qui vous reçoit aujourd'hui pour parler du théâtre. Merci. Et c'est déjà beaucoup. Merci. Parlons de votre pièce de théâtre, Dans le silence de mes diplômes. C'est l'histoire de Fidèle blessé.
qui raconte sa vie, en tout cas depuis son enfance, à son entrée à l'école, jusqu'à son mariage. Donc c'est vraiment un récit de vie. Après son mariage.